Le Matrix Brut est un outil excellent pour du sound design performant. Pour qu'il soit vraiment efficace, nous portons une grande attention à la façon dont les presets et les autres réglages sont gérés. Laissez-moi vous montrer comment créer un preset à partir du Scratch. Appuyez sur les boutons Panel et Preset en même temps pour créer un preset. Ceci vous permet de créer votre son étape par étape. Quand vous avez créé le son que vous voulez, vous pouvez l'enregistrer en appuyant sur le bouton Save ainsi que sur l'emplacement de la matrice. Pour charger ce preset, c'est très simple. Affichez la grille des presets en appuyant sur le bouton Preset et choisissez un des 256 emplacements du Matrix Brut. Nous pensons que le Matrix Brut influencera le sound designer qui est en vous. Pour cette raison, le MIDI Control Center sera votre fidèle partenaire, en vous permettant d'enregistrer, de classer et de recaler vos presets. Vous pouvez facilement le télécharger via le site Arturia. Après une installation rapide, connectez le Matrix Brut à votre ordinateur et lancez le MIDI Control Center. Il se connectera automatiquement à votre instrument. La table de sélection est entièrement dédiée à la gestion des presets. La table de droite représente le Matrix Brut et tous ses emplacements de mémoire. Chaque emplacement peut être utilisé pour enregistrer un preset et une séquence. Vous pouvez l'afficher via la mise en page ou la liste. La matrice montre plusieurs indicateurs qui vous donneront des informations sur les presets. Le carré bleu représente le preset enregistré sur cet emplacement. Le petit S vous indique si une séquence est enregistrée avec ce preset. Et le carré rouge vous indique si le séquenceur est activé. Pour vous aider à gérer vos presets, vous pouvez modifier différentes caractéristiques pour chacun d'eux. Par exemple, vous pouvez choisir son nom, son type et ajouter une ou plusieurs caractéristiques. La partie gauche vous indique les presets enregistrés sur votre ordinateur. Sur la matrice en mode liste, la colonne de gauche montre vos projets sauvegardés. Chaque projet peut contenir 256 presets, tout comme la mémoire interne du Matrix Brut. Vous pouvez copier des presets dans les deux sens par un simple drag and drop, des emplacements ou des lignes aussi appelées banques. Vous pouvez bien sûr réorganiser les presets dans un projet et transférer des presets entre différents projets. Nous avons fait en sorte de pouvoir transférer tous les patchs du Matrix Brut d'un coup. Pour ça, utilisez les boutons Recall to Computer ou Send to Matrix Brut. Avec le sélecteur de mode, vous pouvez choisir de transférer seulement les presets, les séquences ou les deux. L'onglet Search est un navigateur similaire à celui utilisé pour les VST. Il permet de trouver rapidement les presets correspondants aux caractéristiques que vous cherchez. La fenêtre Device donne accès à des réglages variables comme les paramètres MIDI, les pédales et les courbes de vélocité. Le mode potentiomètre change la réaction des boutons quand leur position virtuelle est différente de leur position réelle. Par exemple, après avoir chargé un preset, en mode jump, la valeur des paramètres sera changée instantanément à partir de la position virtuelle sur la vraie position. En mode hook, le bouton n'a aucun effet jusqu'à ce qu'il rencontre la position enregistrée dans le preset. En mode scaled, la vitesse qui fait changer le paramètre sera adaptée à la position du bouton actuel en le rattrapant doucement. Il y a aussi des réglages additionnels pour vous aider à améliorer votre workflow. Les fonctions du séquenceur et de l'arpégiateur vous permettent de décider quelles notes seront envoyées par MIDI. Les notes du séquenceur et de l'arpégiateur ou celles qui sont jouées par le clavier. C'est très pratique pour gérer les sons de l'arpégiateur du Matrix Brut quand ils sont joués sur un pad ou un instrument virtuel. Pour éviter les boucles MIDI quand vous enregistrez et écoutez des automations, désactivez le local control. Ce contrôle sera transmis par MIDI et non par le paramètre local de synchronisation. Pendant cette série de vidéos, nous avons parcouru plusieurs aspects et fonctions du Matrix Brut.
Ensemble, ces fonctions font du Matrix Brute un des synthétiseurs les plus impressionnants et puissants jamais créés. Nous pouvons aller de l'avant avec nos envies de création. J'aimerais finir cette vidéo avec un rapide tour sur quelques-uns des 256 presets d'usine intégrés pour vous montrer quelques possibilités. Aujourd'hui, nous sommes toujours à travailler sur de la création sonore, en quête d'innovation, pour vous offrir le meilleur. Yo.